guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi, j'ai les yeux qui sont vraiment tout petits parce que je viens à peine de, enfin pas à peine de me réveiller, mais je viens de quitter le lit. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo aujourd'hui, parce que ça fait tellement longtemps que je suis venue sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube quand même, il faut que j'ai du contenu. Et personnellement, j'ai rien du tout en ce moment. Parce qu'en vrai, je veux tellement bien faire que du coup, je me dis, attends d'avoir une vidéo qui soit meilleure. Et au final, bah, je vous poste rien tout simplement. J'ai plein de vidéos dans mon téléphone qui ne seront jamais postées. Donc voilà, je reviens, cette vidéo là c'est sûr que je la poste aujourd'hui, en plus c'est un dimanche. Bon, il fait pas très beau, il y a un temps un peu pluvieux, mais moi c'est ce qui compte à l'intérieur. Quand je suis bien à l'intérieur, alors comme s'il y avait du soleil. Et en plus je suis super contente parce qu'aujourd'hui je vais assister au match de monsieur. Donc du coup vous allez m'accompagner dans mes préparatifs et tout ça dans la journée avant d'aller au match. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous plaît ou non, et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube. Vraiment, je le fais sur une chaîne perso, que j'aime bien faire ça. Donc du coup n'hésitez vraiment pas à me parler en commentaire, ça me ferait hyper plaisir de voir tous vos petits commentaires. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, pour toutes ceux et celles qui aiment me suivre au quotidien, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram qui est juste ici et ma page Snapchat qui est juste là, c'est le même nom. Donc ne vous y trompez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et on continue la journée. Donc là je commence par ranger mes affaires, ranger le lit et tout. Je déteste quand rien n'est rangé. Je fais un grand ménage dans la chambre, les toilettes, le salon. Je range un peu avant de vous préparer et avant de commencer la journée. Okay. Surtout qu'on est dimanche. Donc c'est super important que tout soit fait. Okay. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc petite prière quand tu me réveilles. Et ensuite, on attaque. Évidemment, je fais ma prière avant de vous parler sur YouTube. Prière pas compliquée, hein. On dit merci à Dieu. Joa, t'as dit merci à Dieu? Merci Dieu. Qu'est-ce qu'on dit après? Amen. Oui, et? C'était vrai. Bravo. Ah ouais, Amen. Donc voilà, je fais le lit et je vous reviens de suite. Bon, là, normalement, j'ai fini de ranger et je suis à vous. Donc j'ai pas besoin forcément de parler, je vais vous laisser avec une petite musique pendant que je range. Et ensuite, on se retrouve. Bye. Voilà. Trop fière. J'ai terminé, ça c'est tous mes dimanches. Bon, ça c'est une poubelle, hein. Je vais la descendre tout à l'heure quand j'aurai fini. La cuisine, avec que les assiettes à ranger et d'autres trucs à laver. Je vais préparer en même temps le repas de ce soir parce que vu que le match il est à 18h30, le temps qu'on rentre, j'aurai pas le temps de m'asseoir, faire à manger et tout, ça va être hyper long. Alors que mon fils il a école demain et que je tiens absolument à ce qu'il voie le match de son père ce soir. Bon, je suis obligée de faire ça. Donc voilà, le salon c'est fait, comme vous voyez, même le sol c'est nettoyé et tout. Les toilettes, les salles de bain aussi. Je rajoute juste ce petit détail. On est sur un couloir rangé aussi. Aujourd'hui, je me suis mis en chambre de sport, mais je ne vais pas en faire aujourd'hui. J'estime que le ménage, c'est bien un sport. Donc, du coup, voilà, c'est mon jour de repos en plus. Donc, j'attaquerai le sport en semaine. Voilà, donc la chambre de mon fils aussi, elle est rangée. Pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, vous aurez pu voir. Là, je vais terminer avec la chambre. J'ai déjà fini le nettoyage et tout, mais il suffit juste de ranger le tapis et mon trépied, ainsi que la petite lumière. Et c'est bon, dans la salle de bain aussi, c'est top. Chaque fois que je vois ça, je suis de bonne humeur. Ça tient super bien. Voilà, donc voilà, niveau la chambre, c'est fait, j'ai déjà tout rangé, comme je vous l'avais dit, j'ai reposé mon petit tapis. Et toutes les personnes qui ont envie de savoir où il vient, normalement c'est un rose poudré, hein, je vais mettre en image, mais il vient de chez Shell. Moi, au niveau déco, j'aime trop, donc du coup, j'ai trop kiffé. Voilà, ça c'est la tenue que j'hésite à mettre pour aller au match ce soir, donc je vais vous la montrer. Je vous montrerai les deux et je ferai un choix, mais vous me direz en commentaire celle que vous avez préférée, que vous préférez tout simplement. Donc voilà, mon fils, je sais pas pourquoi il s'est mis là, mais la salle de bain aussi est rangée. Voilà, tout nettoyé. Je préfère quand c'est tout propre, comme ça quand je rentre, bah, je sais qu'on est à l'aise quoi. Donc voilà. Bon, je viens à peine de voir ça dans le sac de mon fils, puisque je vais préparer son sac en même temps. Demain c'est lundi et ce soir on n'aura pas trop de temps, je serai fatiguée. Que le mercredi 23, c'est dans là, deux jours, il aura le carnaval, je crois. Oh là là.
compenser à apporter confetti, cotillon, serpent. Je crois que demain, ce sera ma course de la journée. Donc voilà, je lui ai fait son petit bain. Oui, ça arrive, mon cœur. Oui, oui. J'ai fini de ranger. Regardez. J'ai fini de ranger, mais. Oui. Une photo, d'accord, je te la fais tout à l'heure. Mon fils, il aime les photos comme moi, c'est assez incroyable. Donc, je lui mets des petites barres de céréales parce que son école, il privilégie beaucoup ça. Et je trouve ça top parce que sinon, comme ça, voilà, c'est mieux. Des petits biscuits, comme ça, il a la petite barre faite qui est faite. Un petit jus, Capri Sun, soit ça, soit Tropicana, là. Et sa petite gourde d'eau. Et je rajoute toujours un fruit ou deux, mais je vais le faire ce soir. Comme ça, ça ne mettra pas trop de temps dans le sac, tout simplement. Donc là, je me suis mis en dégaine pour aller chercher le McDo de mon fils. Il va me rendre folle, cet enfant. Il est descendu sans pull. T'es content? Oui. Donc là, je suis en train de faire à manger. Je crois que je vais vous expliquer un peu plus simplement. Je suis en train de faire du jésus de poulet avec son petit piment et puis de la tchéquée pour monsieur. Mais moi, ça sera du riz parce que cette fois-ci, j'ai envie de manger du riz. Hier, on a mangé de la tchéquée avant-hier aussi. Enfin, stop, quoi. Donc voilà, le gésier, comme moi je le fais, je mets dans de l'eau avec un peu d'huile, du cul de magie, et je vais le laisser bouillir en fait, pour qu'il puisse cuire avant que je le fasse recuire en fait avec le piment. Donc voilà, j'ai mis l'eau à 7 pour que ça puisse bien bouillir et bien cuire le gésier à l'intérieur. Le piment, je l'ai déjà fait, j'utilise moi hein, personnellement oignon, tomate, persil, poivre, cul de magie, sel. Poireau, je sais pas comment ça s'appelle, comment vous appelez ça là-bas, mais c'est celui-là, bah, c'est le poireau quoi. J'utilise quoi d'autre? Un peu de piment en poudre parce que monsieur et mon fils ils sont pas trop piment. Si c'était que pour moi, ça serait plus pimenté, mais non. Avec un peu de tomate pâte, je mélange le tout, avec de l'ail, pardon, je mélange le tout et je le laisse dans un récipient comme ça, le temps que le gésier puisse cuire. Je rajoute de l'huile parce que c'est l'huile de cuisson que je vais utiliser après, donc c'est pas grave si il se retrouve là. Et pendant la préparation, je vais rajouter 2 feuilles de laurier à la préparation du piment avec le gésier. Voilà, voilà. Mon gésier est déjà prêt. Mon gésier est déjà prêt. Bref, j'ai déjà fait la cuisson, donc comme je vous ai dit, j'ai renversé l'eau, j'ai découpé le gésier puisque c'était devenu un peu plus mou à cuisiner. Comme il était déjà bien pré-cuit, donc j'ai fait mon riz aussi. Hein, la chéquée, je l'ai sortie du congélateur, donc le temps qu'on aille, qu'on revienne, ça sera décongelé pour monsieur. Donc du coup, j'ai rajouté ensuite de l'huile, la préparation de piment que j'avais faite. J'ai rajouté du piment en poudre que j'avais pris en Côte d'Ivoire quand je suis partie dernièrement. Et bah, j'ai laissé cuire tout ça avec mes feuilles de laurier à l'intérieur et quelques persils que j'ai rajoutés, avec un peu de magie et de sel. À mon goût, donc voilà, je préfère faire les préparations avec l'huile d'arachide, je trouve que ça rajoute un petit goût en plus. Voilà, voilà. J'ai finalement opté pour ce petit eau noir avec mon pantalon ainsi du cuir. Faites pas gaffe, hein, derrière, je fais le ménage, mais mon fils, ça là, d'avoir des enfants. Donc je préfère mettre ça plutôt que le haut marron parce que avec la veste que je vais mettre au-dessus, je préfère que ça soit ça tout simplement. Donc j'ai pas terminé, je vais aller me maquiller, mettre les chaussures et puis finaliser le tout pour que vous voyez un peu à quoi je vais ressembler. Donc là c'est bon, je suis maquillée, je vais venir mettre mon gloss et arranger ma coiffure et c'est bon. J'ai opté pour ce truc-là, c'est mieux, ça me chante un peu. Et l'autre, je vais faire un travail de fur sur la devanture parce que voilà, il était trop usé, donc il faut que je la recoupe un peu. Celle-là, elle me donne un peu de peps, un peu plus de peps, et j'adore. Voilà, donc là, je suis en train de laisser poser la colle devant et on y va, quoi. Les gars, normalement c'est ce style là que j'ai opté. Je sais pas, j'ai l'impression d'un trou là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait un trou, donc je vais enlever la veste parce que ça fait trop gros. Et j'opte plutôt pour ce style là. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mon fils, on va te changer ça parce que là c'est trop.
recorded, drop, you can't ignore it. I'm transforming, now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring, down in Charlotte, like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, Finnish friends on my face. Looking like I'm from the D, D's no Cartiers. Pockets deep, 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 bro, I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro, making noise, use a beat. Welcome home. J'ai nettoyé, mais ton fils a dérangé. Voilà tout le monde, je suis de retour. Ce fut un excellent match, franchement. On a kiffé du début à la fin. Moi, j'aime trop ce genre de match avec le suspense. C'est vrai que depuis le début, ils ont très très bien joué. Donc, vraiment, c'était top. J'ai vraiment aimé être au stade. Et à chaque fois que je suis là, je suis pas déçue, quoi. Ils jouent super bien et je peux que être fière. Donc voilà. Là, je vais venir me démaquiller et songer à dodo. Moi, me mettre au lit parce que je suis grave KO. Et sinon, voilà, j'ai vraiment kiffé. On a vraiment kiffé. En rentrant, on était super contents. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Donc, je vais me démaquiller avec ma lotion lactée apaisante de chez Patika. Voilà. Normalement, je vais le démaquiller, mais il est fini. Donc, j'utilise la lotion pour me démaquiller. Je trouve qu'il n'y a rien de plus simple qu'utiliser une lotion, tout simplement. Donc, du coup, voilà, je vais utiliser la lotion pour me démaquiller. Ensuite, je laverai mon visage avec mon petit savon de chez Secret de Mafa. Et ensuite, la crème plus le baume à lèvres de chez Secret de Mafa. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire trop de pub parce que ma vidéo n'est pas centrée sur ça. C'est un mini-vlog où je vous montre ce que je fais de ma journée. Donc, voilà. Mais pour d'autres occasions, j'aurai le temps de bien vous parler de la marque Patika et de la marque Secret de Mafa. Pour l'instant, no way. Pas beaucoup de pubs là-dessus parce que c'est vraiment à la commande. Quand vous m'en parlez, quand vous me dites ah j'aime bien tes mèches, j'aime bien l'aspect de tes mèches, bah, je vous le dis directement, si tu veux je peux te l'avoir. Donc du coup voilà, pour toutes les personnes qui sont fans, c'est vraiment de la bonne qualité, donc vous étonnez pas du prix. Je suis pas non plus dans les prix excessifs, mais quand même pour la qualité je trouve qu'il faut quand même que ce soit un bon prix. Donc du coup voilà, pour toutes les filles qui sont intéressées, je fais des longs, des courts, des ondulés, des lisses, des body wave, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je regarde les commentaires sur ma photo. Et voilà, voilà, tout simplement. Donc pour toutes les filles qui sont intéressées, ça dites-vous que je l'ai collé. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais pas cette coupe de cheveux en partant. Mais vite fait, il y a quelque chose qui m'est rentré en tête, je me suis dit, il faut que j'aie celle-là. Donc du coup, je l'ai changé en 2-2 parce que c'est vraiment une lace, une HD lace vraiment lisse. Elle a aucun souci. J'ai même pas eu à la coller de ouf. Donc là, tout simplement, quoi. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vlog vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un excellent moment partagé avec vous, de le filmer. Voilà. J'espère que je vais pouvoir être super active et j'espère surtout que ce genre de vidéo vous plaira sur YouTube. Pour l'instant, voilà. Je commence avec cette vidéo et il y a beaucoup d'autres choses que j'espère pouvoir vite sortir. Ça fait plusieurs fois que je dis j'espère, mais bon. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous.